Je suis innocent, laissez-moi partir. Ce n'est pas un procès, oh, c'est si une perpétition. Je vais mourir bientôt. Oh là, tiens, voici mon arme fatale. Même pas mal. Oh, mais ça va jamais finir. Oh, oh non. Oh. Il s'en est fallu de peu, mais je suis là. Oh, il est temps de prendre l'air. Oh, oh, je préfère pas regarder. Oh là. Oh. N'en fais pas trop, c'est juste une promenade. Et c'est fini. Ouf. Salut. Oh non. Vite. Oh, c'est injuste. Mais où te casses-tu? Ah, le ballon, t'étais vraiment pas bien cassé, hein. Mince, je suis tombé dans le piège. Oh, c'était un leurre. Ah, comment ose-t-il? Oh, j'ai failli mourir. Voilà, bah, je reste ici, moi. Voilà. Oh, oh non, le béton. Je suis capable de tout sentir et tout ressentir. Oh, il est là. Ma vie est en danger. Oh là, oh non. Oh, le maladroit, mais c'est pas possible. Hello, alors je savais que tu étais là. Mais non, je le trouve toujours pas. Oh, il semblerait que j'ai réussi à me camoufler. C'est un... mais c'est quoi ça? Ouvrons. Tu m'as trouvé. Je t'ai cherché partout. Mais qui c'est qui t'a fait ça? J'ai bien eu peur. Je vais te dire, mon frère, il était tellement obsédé par la compétition avec moi qu'il a jamais cessé de chercher des raisons pour arriver à ses fins. Mais les choses tournaient toujours mal pour lui. Alors quand je réussissais, il devenait jaloux de mes succès et il se mettait dans une colère de dingue. En fait, tout cela, ça vient de son cœur qui est tout sombre. Mais mon père a toujours été présent dans ce genre de situation. Peut-être que tu pourrais commencer par voler comme ça. Tu vois, tu es prêt à passer à l'action? Regarde papa comme il fait. Ouais. Me voilà, mais pas d'elle. Mince, voler, c'est libérateur. Enfin, quelque chose. C'était très dur pour moi. Presque une tragédie, mais mon père a décidé de travailler sur une expérience pour que je puisse sentir l'air. Et pour tout vous dire, bah, c'est l'un des plus beaux cadeaux que j'ai reçu de ma vie. À l'école, tous les enfants adoraient regarder mon frère surfer dans le ciel. Oh là là, il était tellement doué pour ça. Il faisait des acrobaties aériennes comme un oiseau. C'est pour toi. Oh, super. Non, mais par contre, moi, quand j'avais mon nouvel hélicoptère et que les autres enfants, ils ont vu mon jouet, ils se sont vite rassemblés autour de moi. Mais c'est un jouet de rêve. C'est déjà trop, ça suffit. Mais mon frère avait donné un coup de pied à mon hélicoptère et il s'est écrasé sur moi. J'ai pas pu le contrôler. Alors, on n'a rien de temps. Nous avons écrit « Hello » dans le ciel. Et tout le monde était émerveillé. Ils ont cru qu'on avait fait exprès. Je me suis écrasé sur un pommier et les fruits sont tombés sur tous les enfants. Au moins, ils avaient tous à manger. Tiens. Enfin. Après, c'était moins rigolo parce que je suis tombé dans la boue et tout le monde a vu ma chute. Tout le monde se moquait de moi. Je n'en revenais pas, je me sentais humilié. Alors je me suis enfui et en courant, je suis cassé la figure contre Red. Et voici quelque chose que j'ai fait pour toi. Ah ouais? Oh. En quête d'accord. Rose avait créé un moyen de me redonner des ailes. C'était la meilleure invention qu'il ait jamais faite. Tous les enfants du parc de l'ami des Rainbow Friends voulaient que je le fasse voler dans les airs. Et j'ai adoré ça. Les enfants riaient et s'amusaient. J'adorais voir les enfants s'amuser.
Mais quand mon frère a vu que j'avais des ailes, il a décidé de prendre une batte. Il est devenu fou, fou de colère. Il est venu vers moi et m'a frappé fort. Oh, et oui, t'es sous mon contrôle maintenant. Oh, arrête de parler, écoute-moi. Comme je n'aime personne, je vais supprimer tous tes amis les monstres. S'il te plaît, non. Tu parles trop. Il a mis du ruban adhésif sur ma bouche et m'a enfermé dans cette boîte. Je ne sais pas depuis combien de temps, et maintenant il essaie de nuire à tout le monde. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Oh, allons chercher le truc. Regardez là, comment on se retrouve. On veut rester en paix, ça suffit. Comme tu voudras. Oh non, lâche-le. Blue. Oh, oh non, je vais pas mourir d'en haut. Oh là là, non. Oh là. Allez, oh, salut. Adieu, monde cruel. Je ne peux pas! Je vais te faire ça! Je viens te sauver, Blue! Ouais, t'es un héros! Il est long, t'es mon héros! Bah, y a plus de raison de s'inquiéter, hein! Quoi, pas encore? J'en ai marre de vous! Oh non! Abandonne ton plan de toujours vouloir gagner! Je vais gagner! Tu mérites ça! Ça va te coûter la vie! C'est ma fin. Oh non, c'est le moment d'être un héros. Allez, je vais t'avoir. Et voilà, je t'ai rendu l'appareil. Oh non, il n'y a pas d'issue, je veux pas mourir aujourd'hui. Il n'y a rien à faire. Oh non, j'aime pas l'eau. Oh, plus j'aime pas avoir des poils sur tout le corps. Red était en train encore de développer un de ses projets maléfiques. Il voulait transformer tous les monstres en chats. Yellow a été sa première victime. Son esprit était effrayé. Il ne voulait pas subir cette transformation. Mais Red semblait gentil. Oh, il l'a amadoué. Et Yellow s'est transformé en chat. Ensuite, Red lui a donné des instructions. J'étais caché, j'ai tout observé, tout entendu. Red ne voulait pas seulement transformer les monstres en chats. Il voulait se transformer en chien pour nous poursuivre. Yellow a trouvé Green à côté des Lookies en train de jouer. Et Yellow a décidé de s'approcher de lui. Mais son ombre a fait peur à Green. Enfin, pas longtemps, parce qu'après, il a trouvé le chat qui était mignon. Il l'a caressé. Mais comme un gros bêta, il s'est fait mordre. Et du coup, son corps s'est transformé en chat, lui aussi. Et Red regardait tout ça. Quand Green s'est retourné, il a vu Orange. Et du coup, eh ben... Grâce à son pointeur laser, il l'a, boum, transformé en chat aussi. Il avait presque transformé tous les Rainbow Friends en chat. Green se dirigea vers Cyan et Purple. Eux, ils étaient en train de jouer. Ils ont vu un petit chat. Ils se sont dit « Waouh, c'est trop mignon !» Ils avaient oublié que c'était un chat bizarre. Et Purple a été transformé, lui aussi. Red était derrière moi et m'a tiré dessus. Et voilà. Je suis un chat. Oh, je rêve ou... Qu'est-ce que... Maintenant, tu fais partie de mon projet. La liste est complète. Maintenant, c'est au tour de moi de devenir le cauchemar des chats. Ça, c'est fait. Oh, non. Mince. J'avais mangé du poisson. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh non. Sayonara, les amis. Cela va prendre quelques secondes. Oh, vous êtes si adorable, je vous adore. Oh, j'ai jamais eu une aussi bonne invention. Profite. Ça fait mal.
Je savais que ça marcherait. Ça suffit. C'était amusant. Je vais en faire un autre. Il est temps de passer au meilleur moment de la journée. Oh, ben... Je me sens écrasé. Oups, je me demande qui a laissé ça ici. C'est exactement ce que fait ma mère. Très bien, encore quelques mouvements et tout sera prêt. Oh, mais quel bonheur, aidez-moi. Oh, il y a quelque chose qui va qu'un plus contrôler. Oh non. Encore un vrai chef-d'œuvre. Je devrais me lancer dans l'art. C'est toi qui as eu l'idée, n'est-ce oui, pas? Oui, mais tu ne croiras jamais ce que j'ai là. Oh non, tu joues avec la magie. Ne fais pas ça, alors. C'est vrai, et peut-être que maintenant, ça va être encore plus intéressant. Mon œil. Et maintenant, la cerise sur le gâteau. Repose-toi bien, cher Blue. Il se fait tard pour le pique-nique. Où est tout le monde? Craig? Tu cherchais ça, peut-être. Regarde. Non, qu'est-ce que c'est? Je vais te montrer, tu vas être surprise. Qu'est-ce que tu racontes? Stop! Je prends feu! Éteins-le, éteins-le! Et maintenant, la dernière étincelle. Quoi? Je suis toute brûlée! Mais... Il faut que j'arrange ça maintenant. Très bien, les distraits, c'est parfait. Mettons du plaisir dans tout ça. C'est parti, regarde. Mais non, mais un ça fonctionne pas. Entraîne un autre clou, comme on dit. C'est pas possible. Mon corps. Oupsie, j'espère que c'est pas de ma faute. Ça m'apprendra. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Je comprends pas. Oh non. Oh, je suis dans les... quelqu'un peut m'aider. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Bien, je vais te réduire à la forme de Loki, regarde. Quoi? Oh non. Il est temps de muter. Dis à ma mère que je l'aime. Je l'ai fait. Je suis le meilleur scientifique du monde. Maintenant, petit Loki, tu vas dormir dans ta nouvelle maison, regarde, avec les autres. Mon travail ici est terminé. Maintenant, cherchons d'autres monstres. Et les gars, regardez. Pas question, non. Je suis plus un monstre. Oh, il est où mon corps? Oh mince. C'est l'heure de jouer. Quel tour magnifique. Oh, mais qui... Aïe, qui a fait ça? Ce sont tes amis. Les amis, vous m'avez fait peur. Mais qu'est-ce que c'est? Bonjour, je peux jouer avec vous? Tu te fous de moi? T'as oublié toutes les vidéos de Armstrong où tu es le personnage maléfique? Regarde. Oui, je sais, mais bon, moi... Oh, t'as raison. Ok, allez, voilà la surprise. Je suis génial. Alors... J'adore ce gâteau. Oh, moi, j'adore manger, alors mangeons-le. Allez, partageons-le. Oh, mais... Je suis désolée, je n'avais pas réalisé que... Oh, je le sais. Tu veux ça? À ce moment-là, Red s'est timidement approché de Orange et de Sion parce qu'il avait très faim. Mais Orange n'a pas voulu lui donner une part de gâteau. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis super... Oh! Je suis super faible! Tu ne vois pas? Mais non, tu es super fort! Qu'est-ce qui m'arrive? Regarde-toi, tu es super fort! T'es vraiment trop cool! Hé, réveille-toi! Mais en fait, pourquoi tu me regardes comme ça? C'est moi le plus fort. Red en a profité. On était tous là, devant lui.
Alors, il a mis toute sa hargne, toute sa détermination pour... Et il a continué, toujours avec ses projets maléfiques. Il voulait se venger et il allait le faire. Soudain, les reines Bofren ont vu tout ça. Et la foudre, ils ont été électrocutés. Yellow et Blue ont vu la scène. Green a été électrocuté. C'est ainsi que les monstres du laboratoire ont été transformés. Et voilà ce que nous sommes maintenant. N'essaye pas de nous attraper. Non. Essayez-vous de me défier, c'est ça. Vous allez voir. Oula, ça va sauver. Il est temps pour toi de connaître mon vrai pouvoir. Oula, il va nous tirer dessus vite. Maintenant, tu veux arrêter. Personne ne va s'en prendre à mes amis. Arrête-toi. Allez, ça n'arrivera pas. C'est impossible. Non. Oh! Lilo s'est écrasé juste devant Red. Et alors, il pensait avoir gagné. Red s'est mis à rire, car il l'avait transformé. Oui, Lilo a été transformé en Loki. Il voulait anéantir notre espèce. Il nous a tous transformés en monstres. C'est ça la vérité, vous devez nous croire. Oh mes amis, je me sens mal à l'aise. Nous avons besoin de justice. Les choses ne peuvent pas rester comme ça. Ouais. Où sont mes amis? Tes amis, j'ai failli oublier. Les gars, oh non, je ne peux même pas vous reconnaître. Oh, c'est terrible, mais nous devons vivre la révolution. Allez, c'est le moment de combattre. Oh là, mais qu'est-ce qu'ils font? Oula, oula, ils sont devenus enragés. Oh non, oh stop, je peux vous rendre vos versions. Nous sommes d'ardous. Je sais que vous êtes... bouleversé, j'allais justement partir, salut! Je crois qu'on a réussi, Blue! Nous voulons aussi revenir à nos versions précédentes! Oui, c'est sûr, mais comment on va faire? Le pouvoir est entre nos mains! C'est parti! Un monstre s'approche. Oh, s'il vous plaît. Je suis Zenny. T'es un monstre maléfique. Bien sûr que non. Je t'ai vu. N'essaie pas de me mentir. Quoi qu'il en soit, je vais te manger. Non, s'il te plaît, ne fais pas ça. Tu vas me faire manger aussi par eux. Bonjour, je m'appelle Mordi. J'adore manger des gens comme toi. J'adore les attraper. Mais qu'est-ce que tu fais? Nous devons être fiers de... Oh, nous ne sommes pas mauvais. Oh, ne sois pas paranoïaque. Il est temps d'appeler Benny. Qui est Benny? Tu vas le rencontrer. Il va arriver d'une minute à l'autre. J'aime pas trop les surprises. C'était juste. Ça suffit, je vais faire de mon mieux et terminer ce puzzle. Allez. Très bien, voyons. Je vais te montrer, Teddy. Ça va aller, Teddy. J'espère que ça va marcher. Allez, c'est parti. C'est pas ce que je voulais. Attends, je vais le refaire. Alors. Oh non, encore. Allez. Bonjour. Qui es-tu? Je suis Blenny, et regarde, si tu échoues encore, je vais te manger. C'est un risque à prendre, je suppose. Ah ouais,
J'ai réussi. C'est pas possible. Maintenant, couleur suivante. Allez, la chance est de mon côté. Ah, c'est comme ça qu'on fait. L'arc-en-ciel, il se remplit. Blenny, je vais gagner ce défi. Eh oh, Blenny. Pas trop vite, petite créature. Maintenant, il n'y a rien que tu puisses... J'ai dit que je ne vais finir avec toi. J'ai gagné la mission, tu triches. Ça fait partie de mon pouvoir maléfique. Personne. Arrête. Non, c'est pas en train de se faire. Oh, bon, je sais ce qu'il faut faire. Allez, mon petit nounours préféré. Oh non, 0%. Je suis débile, je vais le faire. Super, allez, c'est le moment. Viens ici. Sayonara, loser. Allez. Oh, j'ai mal à la tête. Oh, mais c'est coincé. Tu as l'air et tu es le meilleur au monde, Teddy. Une boisson spéciale pour toi. Vraiment? Oh, merci, papa. Ah, voilà, je l'ai. Oh, moi, ça, maintenant, tout de suite, trop bien. Alors, tu le veux? Ça va juste, ça t'appartient pas. Va chercher, allez, regarde. Fous de moi. Regarde. Ça suffit, les blagues, maintenant, j'en ai marre. Désolé. Venez, mort, ça suffit. On en a marre de jouer avec vous, hein. Bah, qui veut goûter les milkshakes? Tu sais, oui, bien sûr. Oui, mais qu'est-ce qui pourrait bien aller de travers? Goûtons. J'adore les milkshakes. Merci, super. Vous allez adorer, je suis sûr. Mais qu'est-ce qui va pas chez lui? Oh là, j'ai bien fait que ça tourne mal. Finalement, je vais pas en boire. Si, j'insiste. Un délicieux milkshake pour ma douce. Tu as la meilleure des mamans, hein? Donne-moi ce milkshake tout de suite. Bien sûr que non. Allez, mes chéris, laissez-vous faire. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. On peut partager, n'est-ce pas? Je vous ai préparé des milkshakes spécialement pour vous. Pas mal, hein? Je me sens pas très bien. Mais enfin, comment c'est arrivé? Oh, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Rappelle-toi, tu as fait... Hey, Purple, mon pote, non! Tu ne peux pas mourir aujourd'hui! Je ne veux pas qu'il se passe quelque chose de grave, s'il vous plaît. Oh non, oh pas lui. Salut, salut. Oh, laisse-moi partir, non? J'ai quelque chose mais, pour toi. Enfin, j'en veux pas, non. Juste un peu. C'est ma faute. Ce n'est pas ce que tu crois. Je suis tellement amoureux. Oh, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Peut-être que j'ai quelque chose ici. Tu seras notre lune de miel. Ce me fils des lunes de miel. Assez. Eh oh, mais pourquoi t'as fait ça? Ah, je veux juste te faire un bisou. Je n'aime pas les harceleurs. C'est compris? Cette robe, ces gants, mais comment est-ce arrivé? Mais ta tenue se plaît pas? Je n'ai pas choisi. Excellent, le plan, on se met en place parfaitement. Je les ai vus. N'oublie pas de faire la lessive. Je n'aime pas ces vêtements. Ne fais pas l'idiot. Je vais te rappeler à quel point ils ont été cruels. Pendant que Blue et Green jouaient aux jeux vidéo, vous avez préféré avoir plus de conscience corporelle en vous passant la balle. Green était tellement doué pour les jeux vidéo que même la triche ne pouvait pas rivaliser. Green était le plus fort. Il connaissait absolument toutes les formules. C'était le meilleur. Et Sian est venue pour voir et nous demander si elle pouvait jouer. Mais vous avez ri. Vous l'avez exclue. Parce que c'était une fille. J'ai décidé de les ignorer et de vous demander à vous, Yellow et Orange, si vous pouviez m'accueillir dans votre jeu. Et quelle a été votre réponse? Qui a dit que les filles ne pouvaient pas jouer avec des balles et qu'elles ne devaient jouer qu'avec des poupées? Cela n'a aucun sens. Peut-être devrions-nous sauter cette partie de l'histoire. Red, mais tu joues à la poupée? C'est tellement humiliant. Pourtant, je les aime, les poupées. Pas du tout. Alors, changeons les règles. Enfin,
C'est là que je me suis tourné vers mon rayon transformateur. Un classique. Nous avons décidé d'interrompre le jeu de Green et Blue pour leur faire une petite surprise. Quand ils se sont énervés, nous savions que nous devions les transformer. C'était un plaisir. Il n'y avait qu'une seule façon de leur montrer qu'ils n'étaient pas dans le bon état d'esprit. Et avec notre rayon transformateur, ils allaient le découvrir. Green a été le premier à tomber. Et ils nous ont supplié de ne pas continuer, mais Sian a tiré et a transformé Green. Beaucoup plus coloré. Mieux habillée et mieux maquillée. Oh, elle était si jolie. Alors que Yellow mangeait son déjeuner, Blue s'est désespérément approché de lui pour lui demander de bien vouloir l'aider à éviter d'être transformé. Blue a été transformé et Yellow n'allait pas tarder. Allez bien, on va te mettre une tenue comme Free Fire. Woohoo ! Il s'est enfui. Bon, Sian, donne-moi le pistolet. Je vais le modifier et je vais le faire moi-même. Oh, mais il va tirer. Une fleur. Oh, maintenant, je ne pourrai plus la voler. C'est comme ça qu'on se bat comme une fille. Waouh, elle est trop belle. Sian, est-ce que tu acceptes ces fleurs? Je les ai achetées que pour toi. Non, tu sais, merci. Je suis irrésistible. Attendez, vous connaissez un jolie fille là-bas? Mais enfin, de quoi tu parles? Où ça? Oh, ma tête. Tiens, des fleurs. Une fleur pour un baiser. Il faut que je sorte d'ici. Ils sont coupables. C'est la fin. Oh non, laissez-nous partir. Stop. Allez, disparaît. Oh, pas encore. Je peux jouer maintenant. Nous préférons l'autre version. Bien, ce n'est pas si mal. Oh, Red, tu as été si cruelle. Oh, mon poignet. Très bien. Qui a fait ça? C'est toi, Sian? De quoi tu parles? Non. Allez, allez, dis-le. À vous. Je vais avouer, mais je ne l'ai pas fait. Tu vois, je savais qu'Orange était sur le point de manger un gros pied. Ça sentait tellement bon, alors j'ai décidé de le distraire et de lui arracher. J'ai attendu qu'il parte et je l'ai pris avec moi. Orange n'en revenait pas. Quand Green a regardé Orange, il a cru qu'il lui avait volé son pied. Ils se sont battus et battus comme si c'était la fin. Tu as volé mon pied, hein? On te croit pour l'instant, mais... Et toi, Orange, qu'as-tu fait? Mais enfin, je suis innocent! Je vais te dire, moi j'avais tellement faim comme d'habitude. Oh, oh mais j'ai vu Blue, il portait un truc. Oh, alors j'ai voulu lui voler. Alors je l'ai poursuivi jusqu'à ce que je trouve l'occasion parfaite de lui arracher. Il s'en est mordu les mains. J'ai vraiment été très fort. Je suis désolé. Et toi, mon cher Green, alors, qu'as-tu à dire pour ta défense? Eh bien, ma journée d'aujourd'hui a été assez courte. J'ai joué avec mon ami Luke. Nous avons passé un très bon moment, on a bien rigolé. Mais tout d'un coup, Luke était tout triste parce qu'il était attristé de voir le reste de ses amis enfermés dans un enclos. Alors j'avais promis à Red de ne pas les relâcher. Mais j'ai pas pu résister quand j'ai vu sa détresse. Je les ai tous relâchés. Alors, quand tu es arrivé, Red, j'ai dû prétendre que c'était pas moi qui avais relâché les Lookies. Tu m'as soupçonné pendant un moment, mais ensuite, tu es parti. Oh, j'en pouvais plus. Quand t'es parti, je les ai crachés pour les libérer. Tu comprends? Mais je vais le tuer! Ah, Green! Non, Red, c'est toi le coupable. Mais non, je peux t'expliquer. Tu vois, j'étais présent à toutes tes histoires. J'ai vu Blue marcher avec son pied et Orange marcher derrière lui. J'ai vu tout ça dans l'ordre. Puis j'ai vu Sian contempler Orange. Et j'ai aussi regardé Sian lui arracher la tarte.
Ensuite, j'ai essayé de les distraire pour attirer le gâteau vers moi. Oh, c'était un tel délice dans mes mains. Oh, je me suis caché pour qu'ils ne me voient pas en train de bouffer le gâteau. Eh oui, je l'ai bouffé. C'est malheureusement mon histoire. Oh, c'était si bon. Oh, fantôme ! Mais de quoi tu parles ? Mais tu es vivant ! Mais bien sûr que je suis vivant. Je viens de m'évanouir à cause d'un bâton que j'ai pris en pleine tête. Ouais, ça va sinon, hein? Et fais-moi le mariole! Tu l'as bien cherché. Oh, appelez un médecin!